Salut, station fréquence, les boss au 13, c'est côté à vous tous, de la part de Dandy 33. Et ça y est, c'est reparti pour le QSO national du canal 27. Donc on est le vendredi 25 mars 2016 et il est 21h. Alors, comme à chaque fois, une petite vidéo pour motiver les troupes. Alors déjà, voyez un petit peu qui c'est qui est en fréquence. J'ai entendu Belphégor, les mains sont 1351, toi Belphégor. Bon, ok, 21h02. C'était le temps en même temps que je me connecte là du côté internet là pour pouvoir faire le suivi. Et vu que ça traînait un petit peu, c'est vrai que bon, allez, on va pas chipoter quoi, c'est du pari même. Hachi. Eric est peut-être pas loin derrière aussi. Ouais, 73, j'avais tiré 14 Victor Eco 27. L'opérateur Eric, 14 ODR 0L7, vous salue à tous. Et je retourne le micro à Rémi, je salue tout le monde. 14 Eric, Giga, 4 Point, Eric, la région de Bazin-Saint-Denis. Alors, Eric 14, oui, il est 73, Eric, il y a un deuxième Eric, Eric Bazas 14, et bien c'est, j'ai bouffé la suite, les bosses sont 13 également retournés. Eric de Bazas, peux-tu me revenir avec ton indicatif? Eric, 4-3-8, c'est ça? Non mais là, disons qu'attends, ce qui se passe c'est que j'ai un petit temps là, de réaction là quand je relâche le micro, et ce qui fait que des fois les indicatifs arrivent à être un petit peu écornés quoi. Donc ouais, 14 Yankee India 438. Ok, d'accord, Bazas, d'accord, ça marche. Donc, eh bien, pour commencer, il y a Belphégor, secteur Marmande, 14 ODR 444, voilà, département 47. Eric, qui est sud Bordeaux, toi Eric aussi, côté Bazas, eh bien, c'est à croire que tout le monde attendait le top départ, chi trois coups. Retour Belphégor pour voir si tu entends tout le monde. Non, là, j'ai pas réussi, j'ai énormément eu de mal à sortir quoi que ce soit, il y a la voix qui breloque, c'est pas top, c'est vraiment pas top. Hein. Ouais, excuse, Eric de Bazas, il y a un souci là dans la modulation, là c'est complètement parti en sucette, il y a la modulation qui se met à breloquer, c'est bizarre, et puis là on dirait que ça empire. Retour Eric Bazas. Ok, ça va mieux là. C'était pas Eric de Bazas. Ok, d'accord, je me suis trompé. Attends deux secondes, il y a Belphégor derrière. Ok, voilà, bon, il y a un petit peu de surmodulation. Ok, Belphégor, donc c'est Eric de Bazas que tu as eu là, que tu as entendu cet après-midi, c'est ça? Pas possible.
Oui, il y a une YL derrière, enregistrez le break. Retour Belphégor pour Eric de Bazas. Attends deux secondes, avec la permission du groupe, il y a une YL, là j'ai entendu une YL là derrière. Alors, je ne sais même plus comment on dit. Hein. En avant les YL que j'ai entendu là derrière. Alors, les 88, madame, de la part de 14, Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi, QRZ local, Dandy 33. Pour ma part, je suis sur Sainte-Colombe, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Voilà, il y a dans le groupe Belphégor, qui est lui sur le département 47, voilà, nord-ouest du département 47. Il y a Eric 14 Victor Eco 27 qui lui est sur au sud de banlieue sud de Bordeaux et un autre Eric 14 Yankee India 438 qui est vers le nord de Bordeaux si je me trompe pas Bazas. Voilà les EM là qu'il y a dans le QSO là pour le moment. Retour à vous madame. Enregistrez le break. Oui, retour madame. Ah, j'ai énormément de mal à vous entendre. Je vais faire un retour de micro sur Eric, 14 Victor Eco 27. Lui qui a un petit peu la tour de contrôle, il est un petit peu au milieu de tout le monde. Peut-être qu'il arrivera à mieux vous sortir. Retour Eric, 14 Victor Eco 27. Oui, ok, arrivé. Merci pour le retour du micro. Et 88 à l'YL avec Saint-Fabricien. Voilà les invités 88, c'est Eric 14, Victor Eco L7, le sud de Bordeaux, la commune de Ville-Avernant. Voilà, mais là je ne sais pas votre QTH, mais je ne vous copie pas du tout. Voilà. Tu me feras le QS2, Rémi. Ok, bon apparemment Eric, 14 Victor Eco 27 qui est au sud de Bordeaux, vous entend pas. J'ai fait un retour de micro sur Belphégor qui a breaké. Peut-être que toi Belphégor t'arrives à mieux sortir. Retour à toi Belphégor. Ok, c'est pas toi qui a breaké. Ah, il y a eu un break. Eh bien, tout le monde arrête. Toi, Eric, 14 Victor Eco 27, comment j'ai dit ça hein. Tu me disais tout à l'heure, j'espère qu'il y aura du monde ce soir. Pour le coup, ça se bouscule au portillon. Oui, donc il y a eu un break d'un OM. Oui, en avant le break. Ah la vache, c'est très très compliqué là de mon côté. Eric, est-ce que tu entends mieux que moi là? Non, négatif, mais par contre tu m'as toujours pas dit le QTH de l'YL, parce que je sais pas par rapport à où, le lieu, l'endroit. Eh bien justement, elle m'arrive très très QRP de mon côté. Surtout que j'ai vraiment entendu, c'est que c'est une voix féminine, ça c'est sûr. Mais de là à savoir sur QTH, c'est pour ça que j'espérais que toi tu l'entendes mieux, quoi. Le QTH, il est des bonnes 7 fois la grande. Moi, je tous, je reste pas, mais c'est. Il est, elle habite en bas de 7 fois la grande, voilà. D'accord, merci Jean-Paul pour cette précision. Jean-Paul, je crois que oui, j'ai réussi à entendre ce coup-ci. Là, c'est mieux passé. Te retourne les 73. Oui, les 88, madame. Les bonnes amitiés de Jean-Paul.
Sainte-Anne. Alors, c'est trop. Je sais pas comment elle est son antenne, pourtant elle a une cubicale, mais bon, je sais pas. Ouais, et puis par moments, ça... j'ai l'impression que la fréquence n'est pas très propre ce soir, hein, parce que par moments, ça breloque un petit peu. Ben, tiens, comme ça a fait tout à l'heure avec une autre station, c'est, je sais pas, c'est bizarre ce soir. Ouais, je sais, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute depuis tout à l'heure, mais bon, je reste à l'écoute, tout simplement. Ah ben, tu nous déranges pas, au contraire, hein. Ouais, mais nous on va s'entendre, mais bon, vaut mieux laisser à ceux qui sont plus loin là-bas le plaisir de pouvoir parler, comme Belphégor et tout ça. Vaut mieux quand même qu'ils puissent parler, et puis, mais puis en plus, j'ai pas mis beaucoup de watts, je sais même pas si Eric m'entend. Ouais, j'entends petit, mais je t'entends, voilà, y'a pas de soucis. Mais si vous entendez pas cette fois la grande, vous êtes situé, Rémi et puis toi, Jean-Paul, là, je crois que les cuissons ne vont pas se faire du tout, hein, parce que là, vous êtes vraiment plus près que je le suis. Hein. Ouais, voilà, tu devrais, ça devrait aller un peu mieux, là, tu devrais m'entendre un peu mieux, ouais, j'étais à 30 watts, hein. Cette fois qu'arrive à l'entendre, nous, on ne peut pas arriver. Je l'entends par moment, mais je ne peux pas. Je lui ai dit, il faudrait peut-être tourner l'antenne avec une cubicale. Elle m'a dit donc qu'elle avait une verticale aussi, mais voilà, dans quelles conditions, le trafic, je ne sais pas. Il faudrait peut-être remonter les aériens, je ne sais pas. Voilà, donc, on l'entend un peu qu'elle est là le week-end. C'est une YQ qui est soldat de métier, voilà, les sergents-chefs dans les trains, voilà, si vous voulez tout savoir, et voilà, et cette fois, je reste à l'écoute, retour Eric, avec les bonnes choses en pleine. Ok, merci pour le retour, voilà. Je vais tourner, on va faire tourner le micro, écoutez Rémi, je te repasse le micro et tu fais tourner. Ok, ben justement, là je m'apprêtais à faire une petite mise à jour là, côté internet là pour marquer un petit peu qui c'est qui est présent. L'YL, est-ce qu'elle a un indicatif ou tout simplement un prénom? Là, qu'on puisse un petit peu l'identifier, quoi, je veux dire savoir qui c'est. Je m'en rappelle plus. Pourtant, en principe, je devrais le savoir, puisque je l'entends pas tous les jours, mais pas loin, mais je m'en rappelle plus. Non, là, soit elle n'a pas pris le micro, soit ça passe pas. Retour Eric de ah oui, avant que j'oublie, Daniel Centaure, c'est-à-dire 14 ODR 064, et oui, il envoie les 73-51 à tout le monde, et il ne sera pas avec nous ce soir car trop fatigué. Daniel, t'es une petite nature, Hachi. Voilà, le message est passé puisqu'il m'a demandé de faire le QSP. Eric, t'as pas entendu le break derrière? C'est pas toi que j'ai entendu dire enregistrer le break? Eh bien, en avant le break. Bonsoir tout le monde. Ok, bonsoir. Voilà, si tu cherches... Si tu cherches la YL, elle s'appelle Odile. Odile, elle s'appelle. Merci Thierry. Ok, oui, elle est là derrière. Attends deux secondes. Ok Odile, bien content d'avoir une YL parmi nous. C'est vrai que c'est tellement rare sur les ondes. On en entend quelques-unes en AM. Là maintenant c'est en BLU. Et bien, ça nous fait bien plaisir. Et c'est vrai que pour Sainte-Foy-la-Grande, c'est assez QRP là, de mon côté. Quoique,
Moi, ma position n'est pas idéale du tout pour entendre Sainte-Foy-la-Grande, car je suis dans, je suis caché par une colline qui est en forme de U, on va dire, et là, je suis au milieu du U, quoi. Et avec une orientation plein ouest-sud-ouest. Donc, ceci explique cela, je serai sur le dessus, évidemment, ça me passerait plein pot, quoi. Retour au Lille. Ok, retour Belfegor. Ok, d'accord. Retour Eric de Bazas. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il y avait 4 à moi, mais on dit que je n'attends pas. Mais écoutez, Denis a voulu envoyer un gros 4 à 8 de ma part. Il n'y a pas de problème. Et voilà, mais je l'entends pas. Ok, retour Eric, tu ne l'entends pas? C'est ça. Tu lui as un gros micro de ma part, il n'y a pas d'affaire. Ouais, je me suis trompé, j'avais oublié qu'on avait deux Eric sur le coup. Retour Eric, 14, Victor Eco 27. Ok, merci pour le retour. Ben écoute, non, c'est négatif. Je m'excuse pour Belfegor aussi, j'ai oublié de te saluer tout à l'heure. Je ne suis pas si mal temps Belfegor, mais les amitiés, voilà, mais je ne te commis pas. J'entends murmurer, mais c'est tout, je ne déchiffre pas, voilà. Et puis, je ne sais pas si d'autres personnes sont arrivées. Mon ami de Limbourg aussi, comment vas-tu? Ça va, je faisais une petite écoute, ouais, j'écoute trois fréquences à la fois, alors ouais, voilà, je vais pas rester plus longtemps, j'écoute, voilà, allez, amusez-vous bien, bonne soirée, je passerai peut-être tout à l'heure si vous êtes là. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci, merci pour le QSP aussi, pour le prénom, tout ça, il n'y a pas de souci. Vas-y, à toi, Rémi. Attends, je reprends. T'inquiète pas, Eric, un nom de fille, moi, je m'en rappelle. Je ne doute pas, ouais, il n'y a pas de problème. Ok, j'essaie d'être sur tous les fronts, là, je rame, là, ce soir. Ouais, debout depuis 4h30 ce matin, je suis un petit peu à la ramasse. Ok, donc, Belfegor, Eric 14 Yankee Echo 27, Eric 14 Yankee India 438, Odile, Jean-Paul, Thierry, moi, je crois qu'il y a eu d'autres breaks derrière, je sais pas si c'est Jean-Marie ou... Jean-Marie, est-ce que c'est toi de ton côté qui a entendu des breaks? Ouais, c'est vrai que ce soir là aussi, moi de mon côté, là, ça, toi, là, ben, pour toi aussi, là, la modulation a tendance à breloquer un petit peu. Ouais, ben, c'est la fréquence qui est merdique ce soir. Bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Hein. Moi là, non, je peux pas plus. Je peux pas faire plus de mon côté, ce serait faire chauffer le poste pour rien, c'est pas la peine. Ce matin, Daniel Santor, il m'a parlé d'un poste, un portable, c'est le Midland 1012. Alors je me suis amusé à faire une petite recherche là sur internet. Eh bien, c'est ni plus ni moins le Superstar 301 ou le Albrecht du même type, c'est-à-dire le Eric 14-8 Torico 27, le poste AMFM BLU. Là, apparemment, ces portables, là, ils ont l'air de faire parler d'eux, quoi. Ouais, je sais pas. Tu lui dis que je le renseignerai pas parce que c'est un flemmard, il avait qu'à venir avec nous ce soir. Il écoutera la vidéo, il n'y a pas de souci, Hachi. Oui, Belfegor. C'était juste pour ce que j'aurais dû. Voilà, votre question, je pourrais vous aider. Oui, c'est ce genre de métier, c'est très particulier.
Ok. Merci pour le retour. Eric de 14 Yankee India 438. Ce portable là, oh putain, c'est pas vrai ça. Ça y est, ça recommence à se barrer en sucette. Ce Magnum 1012, est-ce que tu en as entendu parler? Non, pas du tout. Par contre, Denis, il n'est pas toujours rendu sacré-télé. Voilà, et il n'y a pas de problème. Il n'est toujours pas rendu sacré-télé, ok? Putain, là, c'est un petit peu tout le monde que j'ai du mal, à part Eric, là, qui passe très bien. Mais là, pour les autres stations, c'est un petit peu difficile pour moi ce soir. Là. Retour à 14-8 ans, Eco 27. C'est la fatigue de la semaine qui te fait ça, c'est rien. Voilà. Tu vas pas nous faire comme Daniel, elle déconne pas, hein, voilà. Ok, j'ai pas trop écouté. Vas-y, Eric, tu peux répéter? Oui, j'ai dit que la question de lui, j'avais toujours pas reçu, hein. Voilà, le club m'a toujours pas envoyé. QSL, oui, Rémi, est-ce que tu as envoyé la QSL pour Eric parce qu'il a toujours rien reçu? Ouais, je crois qu'il y a un souci du côté du président du club qui apparemment peine à renvoyer les cartes QSL. Parce que c'est pas compliqué, on avait fait le contact, je sais plus, un vendredi soir ou un samedi soir, quelque chose comme ça. Un vendredi soir, il me semble. Dès le dimanche soir, ça a été mis dans la boîte aux lettres à côté de chez moi. Donc, oui, je te confirme, je te certifie que moi, je l'ai bien envoyé. Hein. Alors, je lance la pierre auprès du président de l'association, mais après, est-ce que c'est pas au niveau de la poste, des fois, que ça peut être perdu? Je sais pas, je comprends pas trop ce qui se passe. Hein. Oui, ok, c'est Eric, Catalpratica, tu reprends? J'ai pas tout compris. Eric, 14-8 ans, Rico 27, tu peux me faire le QSP, s'il te plaît? Là, je déconne, oui. Là, il t'a dit que c'était pas là. Ouais, mais c'est toujours chiant parce que ça met en porte-à-faux. J'étais pas sûr d'avoir bien compris. Hein. Ça met en porte-à-faux, c'est pas terrible, quoi. On est quoi? On est le 25 mars. Bon, si au mois d'avril, c'est toujours au même point, bon, ben, on recommencera. Dans ces cas-là, ce qu'on fera pour pas refoutre le merdier dans le QSO, si au mois d'avril, t'as toujours rien reçu, bon, le temps 2, on fera un petit QSY, je sais pas, sur le 26 ou le 28, on refera, tu me redonneras à nouveau les coordonnées, puis on refera un nouvel échange de QSL, puis après, bon, on se remettra sur le QSO. Là, ça sera... on fera comme ça, et puis voilà, quoi. Oui, ok, bon, écoute, je te propose de te redonner l'adresse, hein. Ok. Le mois prochain, on verra ça, voilà. Ah non, tu m'as dit que tu n'étais pas sur Internet ou je sais plus trop. Hein. C'est ça, tu n'as pas Internet, c'est ça? Pour les personnes qui veulent m'envoyer le question, il n'y a pas de souci. Je vais vous redonner l'adresse. Le temps que je la retrouve. Non, pas du tout. Donc, c'est la boîte postale 63. Boîte postale 63. Le Jean-Papa 62 420 et 2420. Bravo, India, double Lima, Yankee. Ça passe dégueulasse. Et Oscar, novembre, Tango, India, Golf, novembre,
y a une séparation. Hein, les limousines. Donc le département c'est la France. Hein. Voilà. Donc à tous ceux qui veulent m'envoyer une prochaine attention. Hélas, de mon côté, c'est passé dégueulasse, ce qui fait que là, j'ai pas du tout Roger. Non, on va pas pourrir le QSO, là, de suite, là, comme ça s'était produit le dernier coup. C'est pas grave. Je te dis, le mois prochain, si ça recommence, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Le mois prochain, si tu l'as toujours pas reçu, eh bien, on recommencera l'échange, il n'y a pas de problème. À tous les coups, soit c'est un souci au niveau de la poste, ou alors au niveau du président du club, qui attend d'en avoir suffisamment pour les envoyer. Je sais qu'autrefois, ça se passait comme ça, quoi. Peut-être que là, ben, il est resté encore sur le même principe. Enfin bon, début avril, par là, on verra bien, quoi. Voilà, le prochain coup que tu me redonneras les coordonnées, parce que là ça a merdouillé, là c'est pas passé, la fréquence c'est pas propre ce soir. Le prochain coup, on fera QSY sur notre fréquence, comme ça, pour ne pas perturber le QSO, ça sera nettement mieux. Ok, y a pas de problème. Voilà, retour, ah oui, Eric, faudra que je vois là pendant 14-8 ans éco 27, hein. Faudra que je vois là, quelle date j'ai de libre, les vacances Fabienne, c'est de quand à quand déjà, moi, au mois d'avril, hein. Bon, c'est pas grave, du 11 au 24, hein. Bon, déjà, début des vacances, c'est pas la peine, puisque je vais aller voir Port des Barques un petit peu, là, tâter le terrain, là, pour le salon de radio, là, du 30, qui aura lieu le 30 juillet. Donc, après ça, c'est à voir. Faudra que je vois. Attends, j'ai reçu un SMS, Claudie, et moi non plus, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai Claudie qui m'a envoyé un SMS. Alors, et moi non plus, j'ai pas eu ma QSL. On a les 73 de Claudie, il nous entend derrière. Ok, 73 de Claudie, invité, j'espère que tu vas bien, voilà. Oui, mais ok, c'est bien enregistré, Rémi. Mais écoute, tu vois ça, y a pas de souci. Et puis, avant le bonsoir à la voix des ondes. Allez, tu retournes ça, y a pas de souci. Ouais, donc j'en profitais pour prendre quelques photos là de là-bas là quand j'irai tâter un petit peu le terrain là, voir un petit peu comment c'est. Parce que bon, Marraine, on connaît déjà. Mais là-bas, Port des Barques, justement, je suis un peu curieux de voir un petit peu comment ça se présente et tout ça. Donc avec la voix des ondes, on ira faire un petit tour par là-bas. Histoire de voir un petit peu comment ça se présente, les possibilités, ceci, cela, visiter un peu le quartier, quoi. Il n'y a pas de souci. Par contre, tâte le terrain avec, comment il s'appelle aussi, Daniel, parce que s'il ne peut pas y aller, ouais, je ne pourrais pas y aller. Hein. Si, il me l'a dit ce matin, il n'y a pas de problème, hein, il y va. Mais le terrain, sinon je mettrai le bambi au cul, je rigole.